Il nous dit dans 1 Samuel 19, versets 1 à 2. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection, on dit que l'amour entre David et Jonathan, c'était plus que l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. C'est pourquoi certains disent qu'ils étaient des homosexuels. Tu vois, les gens qui ne comprennent pas l'amour, ils voient toujours le mal. Comment deux hommes peuvent s'aimer comme ça? Ça doit être l'homosexualité. Toi, tu ne vois que le mal. Comment ce frère-là aime trop cette sœur-là? C'est l'impudicité. Parce que toi, si tu es avec une femme, c'est toujours l'impudicité. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Tout le monde n'est pas impudique comme toi. Je dis, tout le monde n'est pas impudique comme toi. Oh, il doit avoir quelque chose. C'est parce que toi, tu as des pensées sales que tu penses que tout le monde a des pensées sales. David peut aimer Jonathan, mais chacun a sa femme. Donne-moi la main, hein? Il y a des gens qui aiment les gens pour les vrais, de vrai. Oh, il doit avoir un intérêt. C'est toi qui as toujours des intérêts. Il y a des gens qui aiment sans hein, intérêt. Je t'aime seulement de « je t'aime ». Je t'aime seulement de « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tiens, ton voisin, je t'aime de « je t'aime ». Je ne cherche pas ta maison, je ne cherche rien, je t'aime de « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Donne-moi la main, hein. Arrêtez de voir du mal. Vous êtes en train de déranger l'amour même dans l'église. Tu veux beaucoup aimer une sœur là, on pense que tu as l'impudicité. Tu aimes beaucoup un frère là, on pense l'impudicité. Vous voyez que l'impudicité, vous ne voyez pas l'amour, je vais l'aider, je vais la soutenir. Pour ton là qui ndumbo kanzi batunyo se bazar, ba ndumba. En français, parce que tu es impudique, tu penses que tout le monde est impudique. Voleur, si tu te vois à côté d'un diamant, il va dire tu vas voler le diamant. Mais un bijoutier te voit à côté du diamant, il dit tu vas faire un bijou. Je peux aimer une sœur. Je dis cette sœur, je vais en faire une grande femme. Je m'investis en elle, je l'aide, elle étudie, elle devient une grande femme. Sans rien penser. Vous ne croyez pas des choses pareilles? Oh, vous ne croyez pas des choses pareilles? Elle n'est pas de ta famille, mais Dieu te donne un amour pour elle et tu l'aides à devenir une grande femme. Toi, tellement que tu es impudique dans tes pensées, que tu penses que tout le monde est impudique comme toi. Répands-toi de ton impudicité et de tes pensées de soupçon. Give me hallelujah.